Salut à tous! Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel pour ce petit make-up-ci. Make-up vachement coloré. J'ai envie en fait d'utiliser les fameux fards Colourpop que j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer porter, que j'avais pas encore l'occasion de porter non plus. Ce sont des Super Shop Shadow que j'avais pris dans mon haul, que je vous ai posté pas mercredi mais celui de la semaine passée. Donc c'est deux teintes ici qui donc le vert et le bleu que je porte sur mes yeux. Et j'avais trop envie d'essayer de faire un petit look avec, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc du coup voilà, on va commencer parce qu'à mon avis la vidéo sera déjà assez longue comme ça. Et c'est parti! Je vais commencer par mes sourcils et pour ça j'utilise les crayons Ferocious de chez The Bold, plutôt le crayon parce que je vais utiliser qu'une seule teinte, c'est la teinte Dark Brown. C'est un tout petit crayon tout fin comme ceci. Bah, franchement je les trouve hyper bien. Ils sont super chouettes, ils marquent très bien, ils font très jolis sourcils. Alors là ils se ressemblent pas à 100% mais c'est pas grave, j'ai corrigé ça avec de l'anti-cerne, donc c'est pour ça le Morning Concealer de chez L'Oréal comme d'habitude en teinte 324 avoine. Et mon petit pinceau rond de chez Morphe. Et en fait si jamais je trouve que la forme est pas parfaite, j'utilise ce crayon-ci de chez Colourpop, je vous ai dit que je le trouvais un peu trop grand, mais pour le coup vu qu'il est hyper pigmenté, c'est hyper pratique pour juste redessiner légèrement et retoucher quelque chose. Genre là par exemple je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ensuite quand c'est bon je vais passer aux yeux. Donc pour ça je vais commencer par appliquer ma base, parce que si je fais pas maintenant je vais oublier comme d'habitude et du coup on va pas s'en sortir. Donc j'utilise la Photo Focus de chez Wet n Wild. Au passage, je ne l'ai pas dit parce que je l'ai appliqué juste avant de commencer, mais j'ai mis sur mes lèvres. Lui pour les lèvres, la Nourishing Lip Oil Oh Honey de chez AOS Studio et c'est celle qui sent la fraise, donc c'est la 301. Elle est super bien, franchement, c'est brillant presque comme un gloss, c'est beaucoup plus léger, c'est pas aussi lourd qu'une gloss, pas aussi lourd qu'une huile. J'ai envie d'utiliser les deux fameux fards de chez Colourpop, sauf que comme c'est deux fards un peu irisés, métallisés, pailletés, je ne peux pas faire tout mon make-up avec. J'ai eu cette idée, peut-être un peu folle, d'utiliser ce blush-ci, toujours de chez Colourpop, en fard à paupières, parce que comme c'est la même texture, je me dis que je pourrais le faire, sauf que ça va quand même faire du rose, du bleu et du vert, je ne sais pas, mais je me dis qu'en fait comme c'est un peu rose, ben, ça va bien s'estomper avec le bleu et du coup je mettrai ça dans mon creux, je mettrai le bleu violet au niveau du coin externe et je mettrai le vert en queue de cuisse sur l'avant de la paupière. Voilà un peu l'idée que j'ai maintenant, j'espère que ce sera faisable. Donc mon pinceau de chez Wycon, je vais reprendre un petit peu de blush, je me dis que si ça peut fonctionner avec les pinceaux pour le visage, je vais voir rien que ça fonctionne avec les pinceaux pour les yeux, on espère. Ok, ça s'applique. Donc ça au moins déjà c'est bon. Et j'ai l'impression que ça s'estompe. Ça va peut-être pas être aussi facile à travailler qu'un fard poudre classique. Tant que j'arrive à avoir à peu près le même fini, moi ça me va. Du coup je le ramène jusqu'au coin interne. Je prends petite dose par petite dose parce que c'est quand même assez pigmenté et puis je vais pas me louper. Peut-être quand même juste prendre la fameuse palette, c'est une de chez Make Up Revolution, c'est la Reloaded Visionary. Et en fait je vais juste venir prendre la teinte Cher Matte qui est juste là, avec ce pinceau numéro 230 de chez Primark. Et je vais juste en fait venir poudrer mon arcade sourcilière avec, juste pour que ce soit pas trop collant sur collant en fait. Et je vais mélanger avec un petit peu du blanc, pour que ça illumine un peu aussi, parce que sinon c'est trop foncé. Je me dis que comme ça en même temps le rose va mieux s'estomper. Je reviens à mon blush et mon pinceau chez Wycon, je reprends toujours un peu de matière et je viens travailler jusqu'à ce que j'ai la forme et l'intensité qui me plaît. Au niveau du coin externe, j'insiste pas trop, je viens juste faire en sorte que ce soit bien dégradé quand même un peu plus loin, puisque là je vais surtout appliquer le bleu violet. En fait, je vous ai même pas dit, je vous ai dit que c'était ce blush là, mais je vous ai pas dit lequel c'est le Oh She's Blushing de la collection de Bretman Rock avec Colourpop. Maintenant que mon petit pinceau de chez NYX, le habituel, le numéro 16, qui est le Blending Brush, je viens appliquer ce fard-ci qui est le Superfly de chez Colourpop, toujours dans les Super Shock. Le bleu violet un peu du chrome, je me dis que même juste ça partout sur la paupière et estomper au niveau du coin externe, ce serait très bien. Mais j'ai envie de faire mon queue de cuisse avec le fard vert, donc je vais d'abord mettre ça au niveau du coin externe et je vais voir ce que ça donne, voir si j'arrive bien le fondre avec le rose. Alors la raison pour laquelle j'ai pris un rose, c'est parce que je me suis dit qu'avec ce fard là ça allait faire un violet, que du coup normalement ça devrait bien se travailler et j'ai l'impression que ça va. Je vais juste venir en prendre un petit peu avec mon petit doigt pour appliquer sur la paupière même au niveau du coin externe. Donc maintenant que j'ai appliqué mon bleu violet, je vais venir prendre un tout petit peu du blush et venir fondre ça au niveau de la démarcation avec le violet au niveau du creux.
maintenant que j'ai ça, je vais faire mon queue de cuisse. Toujours avec le même pinceau et le même anti-cerne. Et je vais tout simplement faire mon queue de cuisse de façon habituelle. Alors ensuite, je prends juste un tout petit peu de bleu, violet, turquoise, machin sous mon pinceau. Et je viens de légèrement dégrader, histoire qu'il n'y ait pas une démarcation trop nette. Et ensuite, je viens enfin poser le fard fizz, qui est le vert citron pailleté absolument sublime. Bon, pour la paupière même, je viens d'utiliser mon petit doigt. Et je prends une espèce de bleu turquoise que je viens légèrement tapoter sur les bords du verre, fondre un peu tout ça, ramener un petit peu plus sur la paupière parce que c'est quand même un joli fard, donc j'ai envie qu'on le voit aussi. Franchement, je sais pas comment ça ressortira en caméra, mais le fard vert, il a vraiment un effet presque humide sur la paupière, c'est hyper joli. Alors maintenant que le dessus de mes yeux sont faits, on va passer au teint. Je sais pas comment le disais en vidéo, c'est le Summer Blur Soft Focus, je vais y arriver, Blur Primer de chez Primark, donc c'est la base que je vous ai montré dans mon précédent haul, je vous mettrai dans le petit si vous l'avez pas encore vu, enfin mon précédent haul. Alors ça, c'est une base qui est vraiment hyper siliconée, donc si vous aimez pas ça, franchement vous dirigez pas vers ça, mais ça sent super bon la coco, vraiment c'est le genre de primer que j'adore. En éponge, j'en ai deux nouvelles que vous avez pas encore vues en vidéo. Ce sont deux éponges du site Shop Miss A. Donc deux éponges de la gamme EOS Studio. Ouais, c'est ça. Donc il y a la petite rose ici qui est l'éponge la plus moelleuse que j'ai jamais testée de toute ma vie. C'est la Wonder Blender Pow Pow Edition. Donc la rose, et alors c'est super soft effectivement. Elle est d'une douceur mais de fou. En plus, c'est une éponge sans latex. Donc si vous êtes allergique au latex, c'est hyper intéressant. Elle m'a coûté 1,55$. Si vous explique que les 55 centimes de chaque produit de la gamme Pow Pow sert à revenir pour supporter des associations pour les animaux dans le besoin. Donc ça, c'est hyper cool. Et du coup, quand j'en ferai une commande, j'ai l'impression que moi, vous avez sûrement vu tout ça dans mon haul de mercredi à nouveau, je vous mettrai le petit, je ne sais plus. Je m'en racheterai sûrement des produits de cette gamme là parce que franchement, déjà l'éponge, je vais refaire un stock parce qu'elle est excellente. Je me l'ai mis pour la faire tester à tous les gens que je connais tellement elle est cool. Et en plus, voilà, c'est vrai que j'ai toujours un petit truc avec les animaux et du coup, ben, quand on peut aider petits animaux en se faisant plaisir à nous-mêmes, pourquoi pas. Et l'autre que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Wonder Blender. Donc là, c'est un peu la même style de forme que la Real Techniques. Elle est entre le rouge et le rose magenta, elle est un petit peu plus ferme. J'ai envie d'utiliser celle-ci aujourd'hui, mais si jamais je l'utiliserai celle-là parce que j'ai pas encore testé celle-ci. Donc je vais pouvoir vous en dire un petit peu ce que j'en pense et en même temps, ben, la tester. Mais j'aime tellement celle-ci pour l'instant, j'ai toujours utilisé celle-là parce qu'elle est d'une moelleusité le plus rebondissant du monde. C'est beaucoup trop mignon. Bon, franchement, la texture, je vous dis, c'est incomparable à aucune autre éponge. Donc, du coup, je prends mon Anti Board This Way de chez Too Faced dans la teinte Light Beige, que j'en ai pas de nouveau. Et comment suis-je, je vais pas mélanger la chose. Alors effectivement, elle est plus dure que l'autre, même un peu plus ferme qu'un Beauty Blender. Mais c'est pas désagréable à l'application, c'est pas non plus trop dur. Elle absorbe un peu de produit, mais comme toutes les éponges, pas plus que ça. Je trouve que le bout pointu est assez pointu quand même pour aller dans les petites zones. Parce que vous savez, par exemple, qu'avec la Morphe, j'avais le problème que j'arrivais pas à aller dans le coin interne de mes yeux. Je trouvais pas ça très agréable. Mais là, honnêtement, franchement, je veux dire, je j'arrive à aller, pas de problème. L'avantage du Born This Way, c'est que je connais vraiment le fini. Je sais qu'il est très très beau sous ma peau. Enfin, il est très beau. Il fait un joli fini, quoi. Il camoufle beaucoup et je reconnais le fini, donc à tester avec une nouvelle éponge c'est toujours bien. Mais franchement c'est pas mal du tout, l'éponge elle est très bien. Je vais venir mélanger l'anti-cerne Kenza Ponset de chez NYX en teinte pâle et le No Filter de chez Colourpop parce qu'il est plus léger. Comme ça avec celui-ci j'aurai un peu plus de couvrance, mais avec l'autre j'aurai un petit peu plus de lumière. Donc l'anti-cerne Colourpop j'utilise en teinte Light 10. Et au niveau du coin interne, je descends bien sur le côté et ensuite après ça, je remonte sur le côté. Je descends bien vers le bas plutôt. Je tapote un petit peu avec ce que j'ai sur mon éponge, sous mon menton et le bout de mon nez, histoire d'un petit peu faire un raccord. Et avec ce qui me reste sur mon éponge de l'autre œil, je viens passer entre mes deux sourcils. Et maintenant qu'on y est, je vais poudrer mon visage. Oh, j'ai envie d'utiliser les poudres NYX, mais j'ai l'impression que je vous les montre tout le temps, donc peut-être que je vais un peu changer. On va y arriver. Donc je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte Lavender. Au niveau de mes cernes, je vais l'appliquer avec ma petite toupette de chez W7. J'ai mis 10 fois trop de poudre. Pourquoi ? Un petit pinceau de chez Real Techniques, le B02 dans la gamme Faux Bleu, qui d'ailleurs est une gamme qui n'existe plus, je crois. Je vais un petit peu tapoter l'excédent de poudre.
Alors je vais appliquer cette poudre aussi sur le reste de mon visage avec ma grosse soupette comme je fais en ce moment. Mais comme elle laisse quand même de sacrées traces un petit peu blanches violettes sur la peau, je vais éviter. Donc je vais prendre mon gros pinceau de chez Zoeva, tapoter un peu l'excédent et venir appliquer partout sur le reste de mon visage que je n'ai pas encore poudré. Et je vais juste repasser partout sur mon visage avec la poudre, toujours No Filter, mais la hashtag No Filter de chez NYX. Dans la teinte 04 Light, je la prends avec mon même gros pinceau, mais c'est juste pour un petit peu recolorer par-dessus la poudre Fenty qui est quand même vachement claire. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre la teinte Butter qui est un petit peu jaune, je pense que ça va peut-être être un tout petit peu mieux ma carnation parce que je trouve que la poudre éclaircit quand même vachement le visage. Donc je repasse avec cette poudre là partout, puis ça va un léger fini un petit peu satiné, donc c'est très mignon. Maintenant, on va pouvoir passer au ratif inférieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la première partie le ce Jumbo C. C'est pareil, c'est des crayons qui n'existent plus, mais je vous ai dit plein de fois que je les adorais. Ce sont les Full Shadow en stick de chez NYX. Je les adore. Franchement, il n'y a aucun qui leur arrive à la cheville. C'est la teinte 08 Poison Proper, Poison Parfait, qui est un espèce de vert citron, un peu comme le fard. Dans la partie un petit peu plus externe, je vais mettre le 632 dans les Jumbo de chez NYX, la teinte Peacock, qui est un magnifique turquoise. Donc, je vais d'abord commencer avec le vert, que je vais mettre comme d'hab en muqueuse et au niveau du ratif. Ensuite, pendant que mon oeil ressemble à un véritable papillon, je vais venir remettre du coup les mêmes fards, donc le vert et le bleu au niveau du ras de cils aussi. Je vais essayer de remettre un petit peu aussi du rose au niveau du coin externe pour un petit peu tout refondre, parce que sinon je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rose dans le look alors que je trouve ça très joli. J'ai envie d'un petit peu estomper, mais j'ai peur de pas y arriver avec un pinceau classique, donc je vais prendre un petit pinceau boule, le numéro 230, Luxe Pencil de chez Zoeva. Et ensuite, je vais prendre un petit peu du blush rose. Je reprends mon pinceau de chez Wycon. Je pense que ça ira mieux. Ouais, c'est mieux. Et je vais estomper ça un tout petit peu au niveau du coin externe, donc autour du bleu. Donc au niveau du coin externe, je tapote vraiment pour que ça ressorte. Et au niveau du ras de cils, je vais un petit peu faire des mouvements de va-et-vient pour un petit peu colorer le dessous du bleu. Et je descends pas mal parce qu'en fait, je vais essayer de faire en sorte que ça rejoigne un tout petit peu le blush peut-être. Alors ensuite, je vais reprendre le même fard vert, donc le Fizz. Dans celui-ci, c'est le 237 Detail Shader de chez Zoeva. Parce que je viens de le mettre au niveau du coin interne. Et alors par-dessus ce fard, j'ai rajouté un petit peu des palettes Midnight Cowboy de chez Urban Decay, donc des Heavy Metal Skeletor Liner. J'ai légèrement attiré ça au niveau du ras de cils. D'ailleurs, j'enregistrerai bien une petite ligne. Oui, on va se laisser aller. Je vais aussi rajouter une petite ligne de paillettes au niveau du cut crease vert. Comme j'ai fini les yeux, que j'ai mis mon mascara, mes faux cils, etc., maintenant on va passer au reste du teint. Comme blush, je vais appliquer celui-ci, mais pareil, ça vient du Cheat Shop Miss A. Et du coup, c'est les petits blushs comme ça de la gamme Malibu Beats. Et c'est la teinte 2. C'est un jour de rose de base, je vais mettre quand même que le Colourpop. Mais je me dis que je vais essayer autre chose pour pouvoir vous montrer aussi d'autres nouveautés. Pour l'appliquer, je vais essayer mon pinceau de chez Makeup Revolution qui est le F105. Donc c'est un petit pinceau biseauté comme ceci, donc je prends un petit peu de matière. Il y a pas mal de matière qui se dépose, donc je vais essayer de pas trop frotter dedans parce que ça me semble bien pigmenté. Et effectivement, ça l'est. Oh là là. Oui, c'est fort pigmenté. J'en remets un petit peu sur le bout de mon nez, ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça, mais si j'ai envie d'un petit peu avec le look rose, je me dis que ça peut bien donner. Tu vois, mais là j'ai une grosse tache rose, puis là y a rien, puis là j'ai une autre tache rose, c'est un peu bizarre. Pourtant mon teint est méga bien poudré, donc ça peut pas être parce que ça s'accroche en dessous. On va laisser comme ça, je vais juste reprendre le fameux blush Colourpop. Je vais prendre ça avec ce petit pinceau-ci de chez Mule Technique. C'est parti de la gamme Bold Metal, c'est le numéro 300, et je vais en prendre légèrement sur le côté, juste pour pouvoir un petit peu venir relier le bas des yeux avec mon blush sur mes joues. Et remonter légèrement au niveau des tempes avec. Donc je reprends aussi avec mon petit pinceau estompeur au niveau de mes yeux et je viens vraiment tirer un petit peu. Ok, et maintenant je viens avec le petit pinceau de chez Mule Technique et je viens un petit peu estomper tout ça sur les côtés et en face du blush. Et ensuite je vais appliquer de l'highlighter. Alors là j'en ai plusieurs, je crois que je vais prendre celui-ci. Donc c'est de la gamme Hello Highlighter. Donc c'est la teinte 083 Blissful. Donc c'est un highlighter cuit un petit peu marbré. Je viens de le prendre avec mon pinceau Parc Avenue puisque c'est celui qui prélève le mieux la matière. Parce que ceux-là sont pas pigmentés de l'extrême. Donc de nouveau je remets au niveau de mes tempes. Comme j'ai envie que le côté rose ressorte quand même pas mal, je vais reprendre l'highlighter Monster de chez Colourpop, celui que je vous ai montré dans mon fameux haul qui fait vachement rose. Et effectivement, ça va bien aller. Ouais, c'est cool. C'est cool.
Je viens légèrement mettre au niveau aussi de mon arcade sourcilière, mais pour ça je prends un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva. Donc je prends un petit peu de l'highlighter et je viens l'appliquer au niveau dessous de mon sourcil. Je vais juste fixer mes sourcils parce que je l'ai pas encore fait avec mon gel à sourcils. Le fameux Tinted Brow Mascara de chez NYX dans la teinte Espresso. Et là j'hésite, soit je mets ça et ça fait un petit effet un peu rosé, on va tester tout de suite. Ça me semble pas mal. J'ai mis en fait la petite huile de chez US Studio et par dessus j'ai mis la This Is Everything Lip Oil de chez NYX mais la teinte 04 chez Oberry qui est du coup un petit peu colorée. Je vais peut-être juste prendre un tout petit peu de ce crayon à lèvres là voilà, qui est le prune de chez NYX pour mettre légèrement sur le bord. Ça se verra quasiment pas, c'est juste pour légèrement définir le bord de ma lèvre. Bon, j'ai l'impression que j'ai un effet très grosse bouche, je sais pas pourquoi, bon bref c'est pas grave, que je vais vraiment aller super extra, je vais rajouter un tout petit peu de ça au niveau du centre de mes lèvres. J'ai rajouté un tout petit peu de ce produit là, c'est le Glitter and Glow Intense Sea Siren de chez Stila. Ça redonne un côté un petit peu bleuté, rosé comme sur les yeux. Et maintenant on est officiellement fini, donc j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai quelques produits au studio. Il y en a encore pas mal d'autres que j'ai pas encore utilisé, donc si jamais vous voulez voir tout ça à nouveau, je vous invite à aller voir mon haul que j'ai posté mercredi. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Bye.